Françaises que nous devons partir pour aller de notre côté pour que nous prions. Mais je ne veux pas prier à travers moi, je prie afin que l'Esprit Saint parle à travers moi ce matin. May we all bow our heads in prayer. Alors, si nous pouvons baisser nos têtes, s'il vous plaît. Lord Father God, I want to thank you and I want to worship and adore you for giving me life and strength to come up before your people. And I want to ask God that you please fill me up with your spirit so that when I talk, it may not be a man that is talking, but you through me. I ask that you please use me as an instrument to bless your people, to teach them a word that may follow them throughout their whole life. Please send your spirit and your grace upon me, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. So today's message is children and success. Le message de ce matin, comme vous parlez, c'est le chrétien et le succès. What is success? Success. Qu'est-ce que c'est que la réussite? There are two different types of success. Il y a deux différents types de succès. Success according to the world. Selon le monde et le succès selon la parole de Dieu. Success according to the world is defined as. Le succès selon le monde est défini comme suit. An accomplishment of an aim or purpose. L'accomplissement de quelque chose ou bien l'accomplissement d'un but. The attainment of popularity or profit. La prospérité et le profit. A person that achieves a desired aim or attains prosperity. Quelqu'un qui a la prospérité ou qui a reçu quelque chose, qui a quelque chose, qui a atteint un objectif. Another success according to the Bible. Le succès selon la Bible maintenant. Can somebody please turn their Bibles to 1 Kings chapter 2 verse 3? Est-ce que quelqu'un peut tourner sa Bible dans le premier roi, le verset 2 au 3? Le premier roi, chapitre 2, le verset 3. What the Lord your God requires. Walk in obedience to him. Fais ce que Dieu veut que tu fasses et marche dans l'obéissance. And keep his decrees and commands. Dans ses commandements et ses ordonnances. His laws and regulations. Ses lois et ses régulations. And as written in the law of Moses. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse. So that you will be successful in all you do and wherever you go. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. And also in Joshua chapter 1 verse 8. Et Josué 1, 8 nous dit. God tells us to meditate on his word. La Bible nous dit de méditer sa parole tous les jours. And keep his word. Et la garder. And those are the commands that we need to be able to be successful. Ce sont les commandements que nous devons obéir, à quoi nous devons obéir et réussir. As you can see, David didn't tell Solomon his son that to be successful you must make a strong army or gain riches and power. Comme vous le savez, David n'a pas dit à son enfant de réussir selon le monde. But in 1 Kings 2, 3, mais dans le premier roi, le chapitre 2, verset 3, he said that we must keep the Lord's decrees and commands. Il a dit que nous devons garder les commandements de Dieu. And that is how we shall find true success. Et c'est à partir de là que nous pouvons trouver le succès. In the Bible, we have read of people who were successful in all they did. Dans la Bible, nous avons vu les gens qui ont réussi dans tous les niveaux. Dans tout ce qu'ils ont fait. One of those men was Joseph. Il y a un qui est Joseph. In Genesis 39, verse 3. Dans Genèse, le verset 39, le chapitre 39 du verset 3, le verset 3 dit. Does somebody have their Bibles open to Genesis 39? Est-ce que quelqu'un a sa Bible pour nous lire dans Genèse, Genèse 39, le verset 3 nous dit, je lis en français. Son maître dit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Right here, the Bible tells us that the Lord was with Joseph. La Bible nous dit que Dieu était avec Joseph. And that caused all he did and it caused him to be successful in all he did. C'est pourquoi il a réussi dans tout ce qu'il faisait. Today I want to ask you guys. Aujourd'hui, je voudrais vous demander. Is God with you? Dieu est avec vous.
How is your relationship with God? Quelle est votre relation avec Dieu? I cannot tell you this. Je ne peux pas répondre à votre place. But you guys must figure this out by yourself. Mais vous-même, vous devez répondre ceci à chacun de vous. Because we see that Joseph and God, their relationship was strong. Nous pouvons dire et nous savons que Joseph et Dieu, leur relation était vraiment une relation très forte. And this caused him to succeed in all he did. C'est ce qui l'a poussé à réussir dans tout ce qu'il faisait. Now that we have an example to build our lives off of, maintenant nous avons un autre exemple. Maintenant que nous avons un exemple, nous devons suivre. We know that Joseph saved an empire from famine and he became prime minister. Nous savons que Joseph a sauvé l'empire de la famine et il est devenu le premier ministre. But that is not why he is successful. Ce n'est pas à cause de ça qu'il a réussi. It was because he feared God and he did not stray from his path. C'est parce qu'il a senti Dieu et il a suivi ses commandements, ses pas. So we must all fear God. Nous devons tous craindre Dieu. Amen. In Matthew 6:33. Dans Matthieu 6, chapitre. Matthieu 6, verset 33. The scripture tells us. L'écriture nous dit. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you as well. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par sur quoi. That is what Joseph did. C'est exactement ce que Joseph a fait. He put God first. Joseph a mis Dieu en premier. No matter what happened to him, no matter the temptation or the struggle, Joseph put God first, and he received the reward. Quel que soit ce qui arrivait à Jésus, quel que soit le combat de Jésus, Jésus a toujours mis Dieu en premier. Joseph. I am here to tell you today that if you put God first, je suis ici pour te dire que si vous mettez Dieu en premier, your reward is coming. Votre récompense est en chemin. For Joseph, it took time. Pour Joseph, cela a pris du temps, un peu de temps. He had to wait in jail for 2 years. Joseph a dû attendre en prison pour 2 ans. But in the end, he was finally justified. Mais à la fin, finalement, il a été justifié. For some of you, it may take some time. Pour certains d'entre vous, cela peut prendre un peu de temps. But in the end, you will be justified. Mais à la fin, vous serez justifié. You have a reward coming. Vous avez une récompense qui est en chemin. God knows that reward. Dieu connaît exactement quelle est cette récompense. But as Christians, we remain flesh and spirit. Mais en tant que chrétien, un chrétien nous sommes toujours chair et sang. So we must balance our life between our professional and our spiritual life. Pour cette raison, nous devons balancer notre vie entre la vie professionnelle et la vie spirituelle. In Ecclesiastes 7:16. Dans le book de Ecclesiastes, chapitre 7 et le verset 16. The Bible says, do not be excessively righteous and do not be overly wise. Why should you ruin yourself? La Bible dit là-bas que de ne pas se croire trop juste. Et pourquoi alors tu te détruis toi-même? This is telling us not to focus overly on one area of life and neglect the other. Simplement, ce passage nous dit de ne pas simplement nous focaliser sur un aspect de notre vie et négliger les autres aspects de notre vie. So in life, we can't just pray and pray and pray. So c'est pour cela que dans la vie, nous ne devons pas être toujours là en train de prier encore. But not go to work or do any work. Faire tout cela, prier, mais ne pas aller par exemple au travail ou faire quoi que ce soit. Stay home and say that God is going to help you and not do you any good. Nous allons être en train de prier et rester à la maison en disant que bon, moi je reste à la maison, Dieu va m'aider, cela ne nous fera aucun bien. In the same way, we can't just go to work all the time and neglect God. De la même façon, nous ne devons pas tout le temps aller au travail et oublier Dieu, et négliger Dieu. And stop going to Bible studies, Sunday school,
and stop paying our tithes and offerings. Refuser d'aller, ou bien cesser d'aller à l'étude biblique, refuser de payer nos tithes et nos dîmes et nos offrandes et tout cela, non. Because in the Bible, in 2 Thessalonians 3:10, the Lord said, "He who does not work shall not eat." Parce que dans la Bible, dans 2 Thessaloniciens 3:10 "He who does not work shall not eat." La Bible déclare que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. So that means we can't just stay home and always pray and never go to work. Cela veut dire que nous ne devons pas seulement rester à la maison, prier et ne pas travailler. That would destroy us as people. Ce comportement va nous détruire en tant que peuple. But in Genesis 1:1, mais dans Genèse 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. In the first verse of the Bible, ça c'est le premier verset de la Bible. There is the verb create. Il y a le verbe créer. That shows that God is a working God. Ce qui montre que Dieu est un Dieu qui travaille. So who are we not to work? Qui sommes-nous pour ne pas travailler? We must follow the footsteps of God and work. Nous devons suivre les pas de Dieu et travailler comme Dieu a travaillé. There is a saying in my country, Togo. Dans mon pays, le pays d'où je viens, le Togo, il y a un dicton populaire. Mets-le sur un genou et Dieu va porter cela sur ta tête. I know that my ear is a little bit rusty. But that saying is saying that you have to bring the load to your knees and God will carry it to your head. Ce dicton est en train de dire que nous-mêmes nous devons transporter le fardeau à nos genoux et Dieu va faire le reste, s'occuper du reste, le porter sur notre tête. So if we just stay there and say that God is going to do it, but we don't put any effort in for ourselves, God is just going to sit on his throne and watch us. And si nous sommes assis là-bas, en disant que Dieu va le faire, Dieu sera assis sur son trône et nous regarder. The Bible says, put first the kingdom of God and his righteousness, but not put only the kingdom of God. La Bible dit, mais premièrement, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais Dieu n'a pas dit de chercher seulement, uniquement le royaume de Dieu et sa justice, non. And that's in the same way, that is our spiritual aspect. But now we must focus on our physical aspect as well. Bon, ça c'est le côté spirituel. Nous devons aussi nous occuper du côté physique. But in that manner, we cannot just always do overtime and skip church. De cette façon, bon, cherchons à s'occuper du côté physique, mais nous n'allons pas tout le temps travailler et faire des heures supplémentaires et ne pas avoir du temps pour venir à l'église. As we know, gold, silver, and all resources belong to God. Comme nous le savons tous, l'or et l'argent, tout cela, toutes ces richesses appartiennent à Dieu. But if we skip church just to go to work to earn extra money, that means we don't believe that God can sustain us. Bon, si chaque fois que si nous manquons de venir à l'église et nous allons plutôt faire des heures supplémentaires au travail, cela montre que nous ne croyons pas vraiment en Dieu pour s'occuper de nos besoins. For us kids, we can't just play and not study and then go to school and pray to God to help us do good on tests or to get an A. Nous, en tant qu'enfants, nous n'allons pas passer tout notre temps à jouer, à nous amuser et ne pas apprendre nos leçons, ne pas faire nos homework. Maintenant, aller à l'église, aller à l'école, prier pour que Dieu nous aide à travailler. Non. God wants us to learn, read, practice, and then if we still need help, He is there to help. Dieu nous demande d'apprendre nos leçons, de faire nos devoirs de maison. Mais si en faisant ces efforts-là, nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu, Dieu est là pour nous aider. So we must do our part before God does his part. Donc nous devons faire notre part et Dieu aussi va faire sa part. All this contributes to your success. Tout ceci contribue à ton succès.
If we want to be somebody big tomorrow, we must start now. Si nous voulons être quelqu'un de grand tomorrow, demain, nous devons commencer aujourd'hui, dès à présent. We must have a good relationship with God. Nous devons premièrement avoir une bonne relation avec Dieu. We must fear God. Nous devons craindre Dieu. And we must hold God tight in our hearts. Nous devons avoir Dieu comme un ami serré dans notre vie. We talked about Joseph in the Bible as being a man of success. Nous avons parlé auparavant de Jésus dans la Bible, de Joseph dans la Bible comme un homme de Dieu. Nowadays we have examples like the founder of Chick-fil-A. De nos jours, nous avons encore des exemples comme le fondateur de Chick-fil-A restaurant. He's a Christian that put God first in everything. Celui-là est un chrétien qui met Dieu en premier en toutes les choses qu'il fait. That he refuses to open his store on Sunday to make sure that people go to church. Au point qu'il a refusé d'ouvrir son restaurant les dimanches. Et pour permettre aux gens d'aller plutôt à l'église dans les dimanches. And he makes sure that everybody knows that they stand for the traditional marriage. Et il fait tout pour que publiquement, pour que tout le monde sache que lui et son restaurant, ils sont prêts et ils soutiennent le mariage au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire le mariage entre un homme et une femme. And we all know the success of that restaurant. Et nous tous, nous sommes au courant du succès que ce restaurant a. Brothers, sisters, mes frères, mes sœurs, friends, mes amis, how can we succeed as Christians? Comment pouvons-nous réussir en tant que chrétiens? And the answer is found in Joshua 1:8 and 1 Kings 2, verse 3. Nous pouvons trouver la réponse dans Josué, premier chapitre, verset 8. We must live according to those two verses. Bon, et aussi dans 1 Roi 2, 3. Bon, nous devons vivre selon ces versets, ces écritures de la Bible. And again, to receive that success, we must fear God. Encore une fois, pour réussir dans la vie, nous devons craindre Dieu. For the fear of God is the beginning of wisdom. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. And that is what we need to be successful. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin si nous voulons être des gens qui ont réussi. To sum everything up, pour résumer, balancing your life between your spiritual and professional life is really important. Arriver à balancer notre vie professionnelle et notre vie spirituelle est quelque chose de très très important. That is how we come into the shoes of success the Lord has left for us. C'est de cette façon que nous arriverons à achever le succès que Dieu a atteindre l'objectif et qui est le succès que Jésus a laissé pour nous. We might be successful in the eyes of the world. Les gens peuvent nous voir comme des gens qui ont réussi. But still be considered a failure in the eyes of God. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes comme un échec. Un échec. So we must always try to be successful in the eyes of God and not of the world. C'est pour cela que nous devons faire tout pour apparaître aux yeux de Dieu comme des gens qui ont réussi. And the International Chapel Assembly of God is all about that success. La chapelle internationale. Okay, la chapelle internationale est pour ce succès. A opté pour ce type de succès. And my followers, we will gain the ultimate reward and be reunited with God in heaven. À la fin des temps, nous serons la récompense finale ultime et nous serons récompensés au ciel. I want to invite my heavenly Father, my spiritual father and pastor, to come and pray for all of us so that we may be successful, we may find the success in every aspect of our life. À présent, je voudrais inviter notre père spirituel, mon père spirituel, à venir prier pour que nous puissions avoir ce genre de succès qui est le succès balancé, le succès spirituel de Dieu. Avant de prier, before I go ahead and pray, que celui qui a des oreilles, may the one that has ears entend ce que l'Esprit a dit. Hear what the Spirit of God is saying. Il y a un point crucial. There is a crucial point.
Ce n'est pas un enfant qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. We don't have a little one here speaking, not the child speaking, but God himself is speaking to us. Cet enfant, ce n'est pas lui, c'est Dieu. You may be saying this little boy. No, it's not him, but God himself speaking to us. Il nous a posé une question. He asked us a question. Il a dit, nous pouvons réussir aux yeux du monde. He said that we may be successful in the eyes of the world. Mais aux yeux de Dieu, nous avons échoué. But as far as God is concerned, in God's eyes, it is a failure. Ça, c'est fondamental. This is a fundamental question. Nous pouvons réussir aux yeux du monde. We may well be successful in the eyes of the world. Nous pouvons réussir aux yeux de nos familles. We may succeed in the eye of our family. Nous pouvons réussir aux yeux de nos amis. We may be successful by our according to our friends. Notre nom même peut être sur le wall of fame. Our name, we may have our name on the hall of fame. Dans nos lieux de travail. In our job places. Dans nos écoles. In our schools. Mais quelle est notre position devant Dieu? But what is our position before God? Que celui qui a des oreilles. May the one that has ears entend. Hear. Ce que l'Esprit Saint a dit. What the Holy Spirit has said again this morning. Ne courons pas derrière le succès. Let not just run after success of this world. Il a dit il faut équilibrer. He said we got to balance. Équilibrer le professionnel et le spirituel. To balance the professional life and with the spiritual life. Écoutez. Listen. Ça c'est Dieu. This is God speaking. Si c'est un grand qui a dit cela, maintenant on va se fâcher contre lui. If it is an adult that said this, people may be upset. Mais ça, c'est Dieu qui nous parle. This is God speaking to us. Ne courez pas derrière les overtimes. Do not just run after overtimes and don't be able to succeed. Ne suce pas ton énergie. Do not let the world suck your energy. Au point de pour venir à l'église, c'est difficile, tu es fatigué. To the point that you are tired, you cannot make it to church. No. Let us bow our heads and pray. Avant que je ne prie, toi-même, parle à Dieu. Before I pray, you yourself speak to God.